Pourrais-tu sortir avec un ancien acteur porno? Non. Non, carrément. Bah non. Mais pourquoi pas? Bah non, le mec il a baisé toute la terre, non? C'est passé quand même, il a changé, il s'est réconverti. Mais c'est pas mon souci. Non, c'est non pour toi. Non, c'est non, c'est off. Pourriez-vous sortir avec un ancien acteur porno? Lâchez-vous dans l'espace commentaire et surtout n'oubliez surtout pas de me suivre sur mon compte Instagram pour me proposer des idées. D'ici là, portez-vous bien. Are you ready? Salut. Bonjour. 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 Aujourd'hui, je suis avec Beyoncé. Hein. N'importe quoi. Beyoncé ou pas? Non. Alors, bonjour et bienvenue. Bonjour. Tranquille? Ouais, ça va, tranquille. J'aime bien votre casquette, j'aimerais bien rester avec, c'est possible? Je peux vous la prêter. Juste après l'interview. Ça marche. Alors, un beau sourire. Dis-moi, pourriez-vous sortir avec un ancien acteur porno? Non, impossible. Oui, chacun a le droit à avoir une vie à côté, ouais, je pourrais, je pense. Ça ne te dérange pas du tout Non, je respecte le parcours de chacun. Voilà, voilà. C'est tout, ça. Tout ce qui est arrivé dans le passé et tout, par rapport à ce qu'il faisait. Chacun a le droit à un parcours différent. Peut-être que j'aurais du mal à sortir avec un acteur porno qui le ferait encore, mais si c'est dans le passé, c'est son histoire, c'est son parcours, je respecte. Et si de continuer à recevoir de messages et tout, ça vous dérangerait pas? Ça me dérange. Avec lui, vous voyez un message genre combien, des trucs comme ça et... Ça me dérangerait, mais si lui il gère bien, il n'y a pas de souci. Tant qu'il n'est plus dans ce milieu, c'est vrai que s'il serait encore dans ce milieu, ça me poserait problème. Mais si lui-même, il a fait le choix d'en sortir, il n'y a pas de souci. Et alors, si tu es en couple avec lui, du jour au lendemain, il te dit clairement que non, il fut un acteur dans le passé. Bah, ravi de t'avoir connaître, hein, de t'avoir connu, hein, salut. Hein. Ah, salut, Jack. Ah non, non. Clair. Tu peux pas présenter quelqu'un comme ça à ta famille. Tu peux pas. Tu peux pas. Les gens ils vont pas savoir. Après c'est à toi de dire non, il a fait ça dans le passé. Voilà. Ouais mais moi je pourrais pas assumer, tu vois. Mais sache qu'on a tous un passé dans la vie. Ouais mais pas tous acteurs porno. D'accord, non, pas tous acteurs porno. Non. Elle est marrante, en tout cas je te remercie. De rien. Bonne journée. Vous allez bien? Bien par la grâce de Dieu frère. Par la grâce des dieux, ils vont toujours par la grâce. Bien évidemment, frère. On est des Africains, on est des croyants. La majorité des Africains, bien sûr. Il n'y a que les Blancs qui ne croient pas parce qu'ils sont venus nous tromper avec. Ah ouais? Ouais, ouais. Polémique toujours. Tu es un Congolais? Oh, non, 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 je ne suis pas un Congolais, moi je suis Camerounais. Ah, Camerounais? Ouais. Ouais. Big up à tous les Camerounais. Alors, dites-moi, monsieur, est-ce que vous, un jour, vous pouvez sortir avec une ancienne actrice porno? Ça ne m'intéresse pas, non. Ça ne vous dérange pas? Non, ça ne m'intéresse pas. Ça vous intéresse pas? Non, ça ne m'intéresse pas. Mais pourquoi pas, ça le fait, moi je vois pas. C'est comme tout métier. Mm-hmm. Ouais, c'est comme tout métier, c'est normal, pourquoi pas? Non, ça ne dérange pas pour vous, malgré la réputation, ce qu'elle a fait dans le passé. Non, mais c'est sa vie, c'est le passé, frère. Et alors les images, ça reste sur Internet pour vous? Une chose est certaine, c'est que je peux de même avoir l'opportunité de niquer Tago et d'envoyer sur Facebook ou alors je ne sais pas trop quoi. Et il n'y aura pas de différence, en fait. Oui, qu'est-ce que tu penses? Il n'y aura pas de différence, donc. Du coup, si elle décide de laisser et qu'on se croise et que le cœur bat, on fait comment? Et si vous êtes en couple avec elle, je ne sais pas, au bout de 6 ou 1 an, elle vous annonce clairement que non, je me suis prostituée dans le passé, comment vous allez le prendre? Non, mais il n'y a toujours pas de mal à ça, puisqu'elle a vécu un passé, moi aussi. Bon, mais. Elle a attendu quand même 1 an, c'est beaucoup. Non, mais ça n'a rien à voir, frère. Sincèrement, ça n'a rien à voir. L'amour, c'est l'amour. Quand le cœur bat pour quelqu'un, c'est. C'est bon, c'est tout, c'est le plus important, parce frère. Que là, les derniers messages, quand le cœur bat pour quelqu'un, c'est très important. Voilà. Je te remercie, bonne journée. Merci. Alors, bonjour madame. Bonjour. Je sais pas, je peux dire mamie ou madame? Ah, comme vous voulez. Comme je veux. Alors d'accord, dites-moi madame, selon vous, est-ce que vous pouvez... Bon, vous êtes déjà mamie, maman, ça sert à rien. Si vous avez un enfant... Ni maman, ni mamie. D'accord, c'est pas grave. Est-ce que pour vous, vous trouvez que sortir avec un ancien acteur porno, ça ne dérange pas, ça ne pose pas aucun problème? Genre si vous avez un enfant, il vous ramène une ancienne actrice porno. Pour vous, ça ne dérange pas? Non. Du tout? Non. Non, non, non. Pas du tout. Pas du tout. Non, chacun a des options dans la vie et on peut changer d'idée. Ah ouais, Rihanna ou pas? Non, non. Voilà, bien habillée. Alors dites-moi les filles, ah je peux rester avec tes lunettes là? Ah ouais, elle est sympa, merci. Alors, caméraman, bien quoi? Alors c'est parti. Est-ce que tu peux sortir avec un ancien acteur porno? Non. Non.
Mais pourquoi non? Parce qu'il aura couché avec tout le monde, flemme. Et alors si tu es en couple avec lui, au bout de quelques temps, il t'a dit qu'il fut un ancien acteur porno. Non. Bah, tu vas casser ou... Bah ouais. Mais tu l'aimes déjà, tu fais 3-6 mois avec lui. Bah après, si je l'aime, je vais rester. Voilà. Bah ouais, c'est logique. Et du coup, et toi? Non, pareil. Pareil? Non. Parce que je veux pas être un mec qui couche avec tout le monde, je sais pas. Non, il fut. Genre, il n'est plus un acteur. Ouais, ouais, j'avoue, s'il y a plein de maladies, c'est bizarre. Non, en général, il se protège. Hein. Il se protège en général. Ah, après, si je l'aime, ouais, mais sinon, non, en fait. Non, je pourrais pas. Ouais, je pourrais pas. Genre, en mode. Attends, t'as dit quoi? Elle va présenter à son père un acteur porno. Mais pourquoi pas? C'était son taf quand même. Et alors, non. Il y a d'autres taf, je sais pas. Non. C'est beaucoup d'argent. Ouais, mais non, je pourrais pas. Si aujourd'hui on vous sollicite de faire du film X, non. Pour 1 million d'euros. Non. Non, non, 1 million d'euros. Non. Non, bah je fais pas. Non, pas ça. Ah ouais, la dignité. Non, c'est mort. Alors, bonjour les filles. Bonjour. Bien ou quoi? Ouais, ça va. Vous êtes fraîches aujourd'hui, très bien habillées. Hein. Merci. J'aime bien. Alors, dites-moi les filles, pourriez-vous sortir avec un ancien acteur porno? Je commence par toi. Non, pas du tout. Ah non, jamais. Non, du tout. Jamais. Non, il a arrêté, il n'est plus un acteur. Non, juste non, le passé. Jamais, non. Ouais, non, c'est bon. Son passé. Ouais, son passé, c'est bon. Les hommes, ils changent quand même. Non, pour ça, non, c'est trop, genre. Tous, on s'est déjà mal comporté dans la vie, on a déjà fait des trucs de ouf, et voilà, on s'est réconverti. Là, c'est trop. Non, c'est mort. C'est empêché de faire ses. C'est radical. Ouais, c'est radical. Donc, être un acteur porno pour vous, c'est déjà empêché. Ouais, grave. C'est un travail quand même. Il fait de l'oseille. Ouais, c'est l'argent pas très, voilà quoi, pas très mérité quoi. Et alors, si vous avez un message pour les acteurs porno? Vous me dégoûtez. Ouais. Bah, c'est écœurant, vous dégoûtez. Alors les gens qui regardent des films X, un message pour eux alors? Alors eux, encore pire. Je vais même pas les connaître. Ouais, moi non plus. Je vais même pas les connaître. Tu ignores beaucoup toi. Ouais, mais... Tu regardes pas les films X? Non, je regarde pas, genre, je te jure, non. Je regarde pas. Non. Comme tout le monde, moi ça m'est déjà arrivé quand même. Ah, c'est un mec, mais moi non. Non, du tout. Ça m'intéresse. C'est des mythos, hein? Pas du tout. En tout cas, je vous remercie les filles. Merci. Pourriez-vous sortir avec un ancien acteur porno? Non. Non, carrément. Bah oui, non. Et dis-moi pourquoi non? Mais parce que, je sais pas, non. Non, il n'est plus un acteur, c'est un ancien acteur quand même. C'est pas grave, il a quand même une réputation. Ah ouais? Mais les hommes changent quand même, le passé. Ouais. Non, le passé, non, change pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder les films X? Non. Non, du tout. Enfin. Sûr? Si, si, si. Une fois par hasard, t'es tombé. Voilà. Si, bah si. Mais oui. Pourquoi pas accepter de sortir avec un ancien acteur porno? C'était son taf quand même. C'est pas mon problème ça. Non, t'aimes pas, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. En tout cas, je te remercie. Bonne journée. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. C'était bien The Game Pro. Si t'as aimé cette vidéo, lâche un max des pouces bleus pour une deuxième partie. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à très bientôt au prochain numéro.